Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais honorer ma promesse à un de mes followers. Et voilà, malgré l'heure tardive, je suis là pour répondre à une de ces questions. Donc, la question est la suivante. Comment découvrir ce qui est en moi? Ok? Et comment est-ce que je peux utiliser ça? Comment est-ce que je découvre ce qui est en moi? Donc, la question est venue de monsieur Delray. Oui. J'aimerais, Lucie. Donc, j'ai fait un post dans lequel j'ai dit de vous asseoir et de travailler sur vous. Et puis, il a dit, assieds-toi et construis ta vie. Arrête de chercher dehors. Tout est en toi. Ne fuis pas la discipline. C'est vrai que quand on entend comme ça, c'est ok, je fais. Je commence comment? Donc, Ray a dit comment faire pour voir ou savoir ce qui est en nous. D'accord. Je pense que j'ai parlé avec toi au moins une fois, Delray. Et Ray Lucie, voilà. Et je pense que tu es en Europe. Je ne vais pas préciser le pays, mais je pense que tu es en Europe. Et quand on arrive en Europe, que vous ayez les papiers ou pas, vous vous retrouvez confronté à une situation. Si vous n'avez pas un diplôme qui est reconnu en Europe, vous êtes confronté à la situation où vous devez subvenir à vos besoins vous-même. Et c'est assez difficile parce que, voilà, je suis parti du Cameroun peut-être avec un master, soit si vous avez pris la route et vous êtes arrivé là-bas, vous n'avez pas de diplôme qui est reconnu parce que vous n'avez même pas de papier, vous n'avez pas de visa. Donc, je me retrouve comme ça. Donc, je vais détailler avec vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider certaines personnes. Si vous venez d'arriver, bonsoir. Je me suis dit, au lieu de travailler, généralement, ça sont mes heures de travail. Donc, je préfère faire la vidéo maintenant. Vous devez d'abord comprendre que l'argent ne répond pas au diplôme. OK? L'argent, c'est ce que la société vous a dit. Le gouvernement vous a dit. TF1, je sais pas, vous a dit, l'argent ne poursuit pas le diplôme. Donc, quand on parle de potentiel tout le temps, vous vous dites toujours que c'est censé être quelque chose qu'on a encadré, qu'on a reconnu quelque part. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent toujours en train de partir, donner leur argent quelque part pour qu'on leur apprenne quelque chose. Même le coaching, il y en a parmi vous, vous n'avez même pas besoin de coaching. Vous n'avez même pas besoin de coaching. Disciplinez-vous. Je vous dis ça chaque jour ici. Vous écoutez, mais ça rentre comme ça, ça sort de l'autre côté. Vous n'avez même pas besoin de coaching. Disciplinez-vous juste. Le coaching est tellement en train de boomer dans la société africaine actuellement parce que, je ne sais pas si c'est juste la tendance. Peut-être dans la culture africaine, je pense. Bonsoir Lionel et Sandrine. Je crois que dans la culture africaine, il y a plein de choses qu'on n'a pas structurées et on n'a pas appris aux enfants. Ce qui fait que quand ils grandissent et puis on reçoit ce flux d'informations qui vient d'un coach, on se dit « Waouh, ils connaissent sûrement plus que moi ». J'ai rencontré des personnes qui n'ont jamais lu un livre de développement personnel. À l'école, là même, il n'est même pas allé beaucoup, beaucoup. Mais il te parle du management, tu restes comme ça, tu dis. Parce qu'il a appris sur le terrain. Donc, si vous écoutez ceci, il y a un millionnaire que je suis en ligne, il s'appelle Ramsey Show, il fait son show à lui-même. Bonsoir coach Agathe. Et il a arrêté l'école à 18 ans. Il a commencé, bien sûr, il a eu trial and error, il a échoué, il a réussi, il a échoué, il a réussi. Et maintenant, il est millionnaire, il a 26 ans, il est millionnaire. Et vous devez comprendre que votre potentiel là, ce n'est pas le coach qui va vous le révéler. C'est déjà en vous, dans le sens où les choses que vous avez traversées, les situations que vous avez traversées vous ont ouvert. Peut-être, je vais prendre l'exemple de deux personnes. Le premier a grandi au village. Il est allé au champ. Il a beaucoup cultivé. Et quand il finissait au champ, normalement, il prenait le maïs, il traitait le maïs, il se retrouvait en train de vendre le maïs au marché après, avec le haricot. Une deuxième personne, jamais partie au village. Bonsoir Marie. Jamais partie au village. Tu as grandi chez ta tante. Elle t'envoyait tout le temps, peut-être que tu vas te vendre la nourriture. Donc, tu as appris à vendre le coquille. Je ne sais pas. Donc, vous êtes là, vous êtes là, deux situations différentes.
L'autre a pu aller vendre le maïs au marché, l'autre a peut-être fait le coquille, ou bien on t'a envoyé très tôt chez quelqu'un, tu as travaillé comme ménagère. Donc tu as développé la discipline, l'endurance dans ton corps. Que depuis que tu as 15 ans, tu te lèves chaque 6 heures, tu nettoies, tu as pris les enfants, tu fais, tu fais, tu fais. Mais parce que ton boulot c'était nettoyeuse ou bien je ne sais pas trop quoi. Toi, quand tu vas te retrouver face à quelqu'un qui a peut-être fait, quelqu'un qui vient de bien habiller, il te dit que je viens de France, je suis coach, voilà, tu vas commencer à dire. Si je ne fais pas l'école qu'elle a fait, si je ne prends pas l'avion comme elle, je ne pense pas qu'elle peut faire quelque chose de ma vie. Du coup, tu minimises ton background, tu minimises ce que tu as fait. Votre potentiel est caché dans votre destin, dans votre passé, pardon. Et je veux qu'on arrête d'utiliser les grands mots, genre potentiel, destiné, et puis vous dites, mais oui, potentiel, et après je fais quoi? C'est pour ça que je veux aller dans le concret. Bonsoir, Fancy. Bonsoir Malaika, bonsoir Jenny. Je vous vois là. Vous là, vous êtes. Il est 23h, vous êtes encore en ligne. Donc, tu finis ton maïs, tu pars, tu vends, tu vends, tu vends. Depuis que tu as 12 ans, tu vends le maïs. Ça te permet de payer ton école. Là, tu es arrivé en troisième, peut-être, ou tu as arrêté l'école en seconde. Mais de sixième en seconde, c'est toi qui te finançais. Il y a des lois qui s'applique, la loi de l'apesanteur s'applique partout. Donc, va aux États-Unis où la loi de l'apesanteur s'applique. Va en Chine, ça s'applique. Viens au Cameroun, ça s'applique. Va en Vondjomon Kweto, ça s'applique. Les lois financières, c'est pareil. Le potentiel, c'est pareil. Quelqu'un qui est devenu, lui, je prends une troisième personne qui est née dans la famille de Trump, peut-être. Son père, c'est Donald Trump. Et il a donc dû apprendre à vendre les stocks on the market, les parts dans des. Il a investi dans le stock. Si vous connaissez, je ne sais pas quelle analogie je peux utiliser qui est un peu moderne. Ou bien il a fait dans l'immobilier. Il gérait les appartements, les immeubles de son père. Toi, tu gérais le maïs. Ton budget, c'était peut-être, supposons ton business tournait dans les 50 000 francs par mois. L'autre fait les immeubles. Son budget, c'est dans les 3 millions de dollars par mois. Les principes, si tu gères bien, parce que le principe, c'est quoi? Que je plante, j'aurai 50 000 francs. Dans 6 mois, je me retrouve en train de gérer 75 000 francs. Dans un an, je me retrouve en train de gérer 100 000 francs. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis en train d'évoluer. Ça veut dire qu'il y a des principes que je suis en train d'appliquer. Et peut-être après ça, j'achète un petit terrain au village. Je construis ma maison. Toi, tu es en Europe. Tu travailles. Ton salaire augmente pas avec la même allure que moi qui fais le business au pays, au village. Trump, peut-être, après, il passe de 5 millions, il va à 10 millions, il va. Tous ces trois personnes, on est en train d'évoluer, on grandit. Et la loi de la croissance, comme le Seigneur dit dans Genèse chapitre 1, vous allez vous reproduire après votre. After your kind. Donc, vous devez comprendre que. Mon potentiel, ce n'est pas parce que moi j'ai appris au village, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens au village, non? Il faut bien que le village soit peuplé. C'est juste que toi tu t'es retrouvé au village. Il faut que l'Italie soit peuplée. Toi tu t'es retrouvé en Italie. Il faut que l'Europe soit, les États-Unis soient peuplés. Lui il s'est retrouvé aux États-Unis. Donc vous n'allez pas venir diminuer quelqu'un et dire que bon, parce que moi j'étais au village, je n'ai pas trop appris, j'étais à Bafan. Si tu as bien appris tes principes à Bafan, on te porte de Bafan, on te dépose à Paris demain. Tu vas réussir. Même si on te laisse à Bafan, tu vas réussir à Bafan. Et c'est ça le potentiel. C'est ma capacité à pouvoir fructifier là où je suis. J'utilise les outils que j'ai autour de moi. Ok, on me dit que pour faire le gâteau, j'ai seulement l'œuf et la banane. Et j'ai le couscous maïs. Je dois faire le gâteau, je fais comment? J'utilise ça, je fais le gâteau avec. Toi, tu as le moule, tu as le mixeur, tu as la farine, tu as les œufs, tu as le colorant, tu dois faire le gâteau. Le tout, c'est que à la fin de mon gâteau, qui est fait, je fais mon gâteau au village, je finis, je mixe, je fais, ça gonfle, ça donne quelque chose, ça s'en mange. Toi, tu te retrouves de l'autre côté, tu fais des beaux coquets, tu dessines dessus, c'est beau. Tu déposes là, on regarde, on dit waouh, après on mange toujours. Je veux que vous fonctionnez avec le principe. C'est le principe de la vie qui va vous aider. Et notre jeunesse jette beaucoup le principe. Moi, je veux l'argent. Dis-moi comment je vais faire pour avoir 2 000 euros par mois.
en 2 semaines. Je veux l'argent. C'est comme ça que vous faites et on vous trompe avec les programmes. Vous prenez vos 200 euros, 500 euros, vous partez vous donner dans le programme à faire 10 mètres. C'est tout. C'est tout. Je connaissais ça, non? Je connaissais déjà ça, non? Attends, qu'est-ce que... Tu as payé les lumières, tu as payé les lumières, tu as payé la salle. C'est ça que tu as payé à 500 euros. Donc, je reviens à la question de ce Ray qui disait, comment est-ce que je peux découvrir ce qui est en moi? Asseyez-vous avec moi maintenant, comme vous êtes en train d'écouter là. Je sais que j'ai manqué dans le travail, vous ne faites pas. Et je ne sais même pas... Demain, la paresse, je chasse la paresse de vos esprits. Cherche le papier, j'attends. Bonsoir Eureka, vous avez le papier? Il y a des questions que vous allez devoir vous poser. Là, on veut découvrir son potentiel. Premièrement, vous avez déjà une idée. Quand je dis potentiel, vous, il y en a parmi vous, vous connaissez déjà. Mais maintenant, vous dites, mais je ne connais pas comment développer. Je ne connais pas comment développer. Je sais que je suis appelé à faire dans les finances. Mais je ne connais pas comment développer. Parce qu'on t'a dit qu'il faut que tu achètes le cours qui coûte 5 000 euros. Donc, écrivez sur votre truc. Je découvre mon potentiel. Vous soulignez, faites que ce soit beau. Je découvre mon potentiel aujourd'hui. Vous mettez la date. En premier, écrivez « Mes talents sont les suivants ». Il y en a parmi vous, vous cuisinez très bien. Il y en a parmi vous, vous avez juste un don d'organisation qui est très accentué. C'est-à-dire, quand vous arrivez quelque part, si on faisait une fête peut-être, on ne sait pas comment on va faire. Dès que vous arrivez là, vous commencez à mettre de l'ordre. Bon, toi, tu t'occupes de ça, moi je fais ça, 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 oui, ça. Voilà un talent qui est naturel. Il y en a, vous lavez juste très bien les assiettes. Ne vous moquez pas. Quand on fait la fête, il y a une tante là, Yaoundé. Donc, on la connaissait pour laver les assiettes de la fête. Et je sais que vous... Je suis désolé, je vous ai déjà dit que si vous cherchez qu'on vous impressionne, vous n'êtes plus au bon endroit. J'ai changé, tous les données sont changées sur cette chaîne. Je ne suis plus là pour impressionner les gens. Je veux qu'on fasse du travail concret. Donc, si je suis en train de parler depuis là, vous n'avez même pas noté. Pardon, sortez même. Allez vous coucher ou bien partez, regardez les qui pensent. Voilà. Notez, mes talents sont les suivants. J'apprends très vite. Il y en a parmi vous, vous captez. Donc, genre, vous allez m'écouter comme ça là. Il suffit que vous montre quelque chose une fois. Vous savez juste comment faire. Vous devez savoir identifier ce que vous savez faire. Écrivez. Peut-être c'est la cuisine. Je cuisine très bien. Ou je capte bien les recettes. Ou encore quoi. Est-ce que vous savez qu'il y en a? Ça, c'est un talent que j'ai remarqué. Surtout si on va prendre ça ici au Cameroun. On met peut-être les habits à laver. Tout le monde va fuir les habits. Mais vous arrivez, vous voyez la montagne d'habits là comme si c'est rien. Et vous pouvez attaquer la montagne là, pas pour vous organiser. Ok, je mets à voir les habits ici, je trempe, je fais comme ça. Vous organisez le lavage des habits de 5 personnes. Vous lavez ça comme si de rien n'était. Ça, c'est un don. Mais... Étant donné que l'application de ça pour l'instant, ce n'est que sur les habits, vous négligez. Les Steve Jobs, Mark Zuckerberg, vous voyez, ils ont fait des choses aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont détecté qu'il y avait quelque chose en eux. Ils ont dit, mais attends, s'il y a quelque chose... Attends, il faut que je m'asseye un peu, je regarde encore bien la chose. C'est... Marie, tu dis quoi? Tu as écrit quoi sur ton papier? Tu découvres encore quoi? Je veux arrêter les gros mots. Tu découvres encore quoi? Qu'est-ce que tu sais faire bien? Moi là, voilà ma bouche. Voilà mon potentiel. Je peux parler et qu'elle parle, tu restes ça, ça rentre dans des eaux. Voilà mon potentiel. J'ai une capacité à motiver les gens, à faire que les gens suivent. Ils veulent seulement venir. Ok, je peux venir vous parler comme ça là. On part. Avant, je faisais ça pour le vol, mais je ne fais plus.
On peut voler quelque chose quelque part. C'est après qu'on se dit, mais on est parti voler, on a même, c'était mon où? Donc, peut-être, je ne sais même pas. C'est que vous voulez tous les trucs qu'on va dire pour vous impressionner, et je ne veux même plus ça, je ne veux plus entendre parler de ça. Cherchez juste quelque chose que vous faites bien. Moi, j'ai aussi une capacité à bien copier les choses. Donc, je me rappelle quand j'avais les maisons en Angleterre que je louais. Quand il y avait un travail qui était trop cher à faire, je vais, s'il y a peut-être quatre murs à carreler, parce que c'est ce que je vais faire, puisque je sais que j'apprends rapidement, je vais partir, je vais appeler le co-réparateur, je vais lui dire, carrèle-moi un mur, ou bien la moitié d'un mur. Pendant qu'il fait le travail, je vais m'asseoir, je regarde. C'est tout, hein. Dès qu'il part là, je vais finir toute la maison là. Je vais carreler tous les quatre murs là. Ce qui fait que maintenant, je suis autodidacte le feu seulement. Ça, c'est un potentiel talent. Bon, petit camus, les gens qui ont besoin de ça vont en profiter. Moi, je connais trop là où je pars, donc. Parfois, ça me fait même peur qu'il y ait un Seigneur. Comment tu peux montrer? Et c'est ceux qui savent où ils vont qui vont profiter de ce que je dis. Dans 4-5 ans, quand vous allez voir, je serai parti au Oprah, je vais parler avec Oprah, je vais faire l'exercice là. Je vais dire que je disais à ces gens-ci depuis. Parce qu'une fois que tu as vu quelque chose, tu dois te focaliser sur cette chose-là. Donc, écrivez vos talents. Bonsoir Sylvie. Si vous n'avez pas encore écrit vos talents, s'il vous plaît, allez dormir. Il est 20h, il est minuit. Allez dormir. Donc, mettez-moi dans la barre des commentaires ici, là, les talents que vous avez. Qu'est-ce que vous savez bien faire? Vous allez bien la cour. Vous repassez bien. Est-ce que vous savez qu'il y en a parmi vous? Vous pouvez développer des techniques pour repasser les habits. Bah, moi, particulièrement, c'est des choses que je déteste. Hey. Ma fille peut prendre des habits comme ça, là. Elle veut une pile d'habits qu'il faut repasser. Je ne sais pas comment elle fait. Il y a des capacités. Et c'est pour ça que ce que je vous enseigne, là, vous devez utiliser ça pour vos enfants aussi. Ma fille a une capacité à organiser les choses. Elle arrive quelque part, il faut organiser un événement. Elle va prendre le papier rapidement. Ok, on a parti, il faut faire ça. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Ça, c'est depuis qu'elle a peut-être 8 ans qu'elle fait ça. Elle a encore quoi d'autre? Elle a une capacité à écouter les gens. Donc, ça, c'est quelqu'un qui peut-être fera un métier de thérapeute ou bien elle peut écouter. Quand elle est avec toi, elle t'écoute. Donc, c'est comme si elle absorbe tous tes problèmes là. Vous devez vous connaître, vous étudier. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez noté en vous. Voilà, la coiffure, la cuisine, poser les ongles. Quand je dis peut-être poser les ongles, ça veut dire que tu dois avoir une capacité à apprendre les petits métiers rapidement. Tu dois avoir une capacité à apprendre les petits les trucs là rapidement. L'or, aimer et faire les gens apprécier, c'est différent. Je peux aimer faire la cuisine, je suis nulle à la cuisine. Par contre, je peux aimer faire la cuisine quand mes plats sortent. Pourtant, je dis que, mais pourtant, je n'ai même rien fait. J'ai seulement mélangé le sel avec le cube. J'ai versé le riz, j'ai mis l'huile. Comment on me dit que c'est bon? Moi, donc, quand tu manges, tu dis que non. Je suis forte. C'est de ça que je parle. Talent culinaire, de communication, de motivation. Oui, Janda. Oui. Quand tu as ça dans toi. Quand tu parles, tu allumes le feu qu'il y a dans les gens. Tu allumes le feu qu'il y a dans les gens. Et c'est quelque chose que. C'est un talent qui est très rare. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent ça dans le mauvais sens. Mais... Hospitalité. Oui, hospitalité. Ça aussi, j'ai remarqué chez toi. Tu as cet instinct maternel qui fait que quand quelqu'un est avec toi, il se sent welcome. Tu as cette capacité à. Je sais pas comment on peut dire. Ça peut être très bien dans le marketing pour gérer les gens. C'est-à-dire, si tu as une équipe que tu gères, ils vont se sentir comme s'ils peuvent te faire confiance. Et quand on a un bon manager ou un bon leader au-dessus de nous, on n'a pas besoin qu'ils soient derrière nous pour nous fouetter pour qu'on vienne faire les choses. Parce qu'on veut faire plaisir à la personne. Inconsciemment, ils sont en train de vouloir faire les choses. Voilà. Bonsoir, Annabelle. Nous dépenser ces économies, je vais chercher encore. Cherche ce que tu s'occupes. Est-ce que tu sais que. Savoir économiser. Toi, tu as dit, tu as négligé. Ah, je sais comment économiser, non. Est-ce que je connais combien de personnes qui ne savent pas économiser ici dehors?
Pardon, faites le like sur ma vidéo d'abord. Je vois 16 personnes ici. Je veux voir 16 likes sur la vidéo aussi. Et si, même si ça vous énerve, faites le je n'aime pas Susan. J'ai remarqué que vous êtes très inactif quand vous êtes sur ma page. Je ne sais pas parce que je parle, ça vous captive tellement. Ton talent d'économie, là, je vais un peu te montrer comment tu peux faire avec ça. Le truc, c'est que vous devez être smart. Vous devez réfléchir rapidement. Moi-même, ça, c'était mon truc. Je suis très vive. C'est heureusement que Dieu a canalisé ça dans le bon. Parce qu'il était le genre qui peut arriver quelque part comme ça, là. Tu as tes numéros de carte de crédit là-bas, je te scanne ça une fois. Donc, j'ai une capacité à... Je suis sharp. Quand j'arrive quelque part, je connecte les trucs très rapidement. Très, très, très rapidement. Ça, c'est un talent extraordinaire. Voilà. Je peux te fabriquer l'argent à n'importe quel moment. J'ai dit que même au Pakistan, au désert, je vais te fabriquer l'argent là, d'arriver sorti de là. Donc Sylvie, toi tu sais économiser. Il y a des personnes que naturellement, ce sont des onctions. Naturellement, je peux te montrer comment. J'arrive quelque part, ou bien tu sors avec un gars. Pendant la période où il est avec toi, il économise, il commence à faire des projets. Parce que il y a quelque chose en toi qui fait que quand tu es devant l'argent, tu ne. Ah, il faut que. Ah, je vais acheter la chaussure. Oui. Et quand tu avais le gars comme ça, là, il est calme. Quand il voulait l'acheter la chaussure, je dis non, tu n'as pas besoin de chaussures. Viens plutôt faire ça. Tu te rappelles, on devait faire ça. Après, on devait faire ça. Ça, c'est ton notion naturelle. Et il y a les gens là-dedans qui n'ont pas ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit le besoin. Il cherche s'il a la solution. S'il n'a pas, il fait quoi? Il va chercher dehors. Il cherche dehors. Il trouve, il vient, il apporte aux gens qui ont besoin. Et ces gens lui donnent l'argent. Je sais que vous avez trop, beaucoup d'entre vous, hein, vous êtes là comme ça, vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent, vous êtes foiré. Le confinement, alors ça m'a tué votre argent. Et vous dites, j'ai le master. On peut faire quoi avec le master ici dehors? Tandis, je vous dis. Donc, ça ne fait pas longtemps que tu as appris à économiser. Oui, Agathe, ouais. C'est un truc, c'est comme une notion qui entre dans toi un moment. Tu sens comme si tu commences à comprendre qu'il faut que tu économises. Tu arrêtes de vouloir impressionner les gens. Tu arrêtes de vouloir remplir ta maison des choses que tu n'utilises pas. Donc, Sylvie, tu sais économiser. Ça veut dire que naturellement, c'est déjà dans toi. Il y a des gens là-dedans qui ne savent pas économiser. Tu dois d'abord, moi je dis toujours aux gens, ça va venir avec les réseaux sociaux. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où tu peux partager ton savoir, confiné ou pas, tu partages ton savoir. Deuxièmement, les gens peuvent recevoir ce savoir de partout dans le monde. Il y a les Camerounais partout dans le monde, il y a même les Français, j'ai des gens de plusieurs nationalités qui me suivent. Vous n'avez pas fait de like sur ma vidéo, pourquoi? Je vois seulement 5 likes. Depuis que j'ai parlé, je vois seulement un like qui a augmenté. J'attends vos likes. Je ne vous ai pas demandé d'acheter mes formations. La moindre des choses, quand même, c'est que vous donnez le like sur ma vidéo. Voilà, Sylvie, j'ai vu ton like. Donc, je continue, Sylvie. Tu sais économiser. Tu sais économiser. Ok. Vous devez briser la barrière d'avoir peur de l'écart. Et il y a certaines personnes qui parlent naturellement devant la caméra. Allez chercher ces personnes-là. Demandez leur programme, achetez un truc chez eux. Ça va vous briser la barrière de la caméra. Vous allez mettre, vous allez parler. Souvent, tu ne veux pas se passer par là. Tu vas prendre ton statut WhatsApp. Juste ton statut WhatsApp. Tu vas sur YouTube. Tu apprends comment. Il y a des vidéos comme ça sur YouTube. Comment faire un diaporama. C'est-à-dire, ou bien tu montres comment monter une photo. Il y a l'application Canva. Je te mets l'application Canva. Le truc, c'est que je connais faire quelque chose. Il va falloir que je façonne la chose, j'habille pour mettre là dehors, pour que ça trouve les gens. C'est comme si tu l'envoies pour travailler pour toi. Tu vas sur Canva, tu fais juste un petit montage de photos. Tu écris comment économiser. Contactez-moi une banque si vous avez besoin d'aide. Un truc dans le genre. Tu prends un petit sac d'argent, tu colles dessus, je sais pas, un truc dans le genre. Tu fais cette photo-là, tu mets sur ton statut Facebook, sur ton statut WhatsApp. Si tu dis que tu ne veux pas faire des vidéos. Ça,
Écoutez bien, vous pouvez dire que vous êtes coach pour les économies seulement. Voilà, tu te déclares que je vous coach pour que vous économisez l'argent. Ça, c'est un souci que tellement de personnes ont. 80%, 90% des gens que vous voyez là-dehors, ils n'ont pas des économies. Et ils ne savent pas économiser. Donc, comme tu me dis que tu sais économiser l'argent, je te dis, si tu fais ce que tu fais ce que je te dis là, tu vois, demain tu auras ta promesse. Quelqu'un va dire, oui, je veux rejoindre ton truc là, oui. Et le truc, c'est qu'au départ, tu dois oublier que tu veux qu'on te paye pour ça. Parce que le problème, c'est que ça fait 4 ans que je fais ce que je fais ici. Et ce n'est que depuis un an qu'on commence à me payer pour ça. Je me rappelle au départ, en 2017, 2018, je lançais les programmes, je coach, je dis, ok, pendant 20 jours, je vous suis. Tous les matins, je suis au téléphone avec vous. Oui, fais comme ça, fais comme ça. Personne d'entre vous ne me payait pour ça. Même là, comme ça, il parle comme ça, là. Vous ne me payez pas pour ça. Donc, tu dois aussi comprendre que il y a un contraste entre la valeur que tu apportes et la rémunération qui va venir. Parce que pour l'instant, tu doutes de ce talent que tu as. Tu doutes du fait que ça peut aider les gens. Tu te dis seulement qu'il peut avoir besoin de ça. Ce qui fait que quand tu vas prendre ça, tu vas mettre dehors. Tu vas d'abord vaincre ta peur, la peur de te dire que, hey, quand les gens sont docteurs, ils sont architectes, toi tu dis que tu es des gens croisés. Tu vas vaincre cette peur-là. Tu vas te mettre sur la toile, comme on dit. Ça va construire ta confiance en toi. Peut-être le premier jour, une personne va venir. Tu dis, je fais exactement, la personne vient. Tu la d'abord, tu fais la procédure, ok. Tu peux peut-être établir, il faut pas falloir que je t'assène. Si je veux apprendre à quelqu'un à t'économiser, supposons que ma 15 ans que j'ai à la maison, il faut d'abord qu'on voit combien d'argent est là. Je vous dis ça tous les jours. Tu vois la personne, je dis, ok, comme tu as rejoint le programme, on va se parler une fois par semaine, tous les vendredis. Vous savez que tu prends un peu ton temps dans le moment, si tu donnes à la personne. Vous asseyez, donc vous voyez ensemble, ok. Voilà tes revenus. Moi, c'est toujours en fonction de ton expérience. Et pendant ce temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chez nous, tu vas regarder les astuces des personnes. C'est ça aussi qui est de vous. Tu vas commencer à apprendre. Il va falloir que tu documentes. Tu te documentes. Première personne va venir. Et quand tu as fait le poste, quelqu'un peut venir dire que, ok, est-ce que tu as un cours ou bien est-ce que tu peux aider quelqu'un qui a des difficultés plutôt pour investir ou bien pour. Quand tu vas t'exposer avec ton projet, ton premier talent, d'autres personnes vont venir et te donner des suggestions. Cette vidéo, je la fais parce que je réponds à la question un jour. Quand tu fais ça, une autre question va venir. En allant répondre à cette question, ça va entraîner une autre question. C'est comme ça que le talent qu'il y avait à l'intérieur de toi va commencer. Le talent ne peut s'aiguiser qu'avec les situations. L'adversité, le manque parfois, les troubles, le désespoir, les questions. Il y a plein de choses qui vont un peu autant. Quand on va venir, de tout ce que tu ne décourages pas et que tu affrontes, ok, elle m'a posé une question, je sais même pas, je ne sais même pas votre ciel. Bah, tu cherches. Parce que peut-être la personne a la paresse d'aller chercher. Toi, tu pars, tu cherches en ligne. Ça te prend peut-être 30 minutes maxi, tu reviens dans la réponse à la question. Ce qui va se passer, c'est que tu es en train de. Ton intelligence est en train de s'agrandir. Je vais prendre ça comme des dossiers dans un cabinet. Ton cabinet qui met un dossier, comment économiser, va ajouter, commencer à ajouter des dossiers. Comment économiser, comment investir, comment faire dans le mariage pour économiser, comment économiser avant le mariage, je ne sais pas. Ça commence à remplir des dossiers. C'est comme ça que tu es en train de te développer progressivement pour devenir expert dans ces choses. Tu vois que ça va demander du temps. Et un jour, tu vas commencer à faire ça. Tu fais peut-être ça pendant 4 mois, 3 mois, 5 mois. Un jour, tu vas aider quelqu'un tellement. Franchement, prends 50 euros. Tu m'as trop aidé. Tu peux me prendre 50 euros. Il y a un ma contact aujourd'hui, coaché ses enfants l'année passée. Un contact comme ça, tu as marre de loup, me dit. Je vais s'aimer dans ta vie. Tu as coaché mes enfants l'année passée. Moi, que le truc, c'est imbécile, si tu écoutes cette vidéo. Tu as coaché mes enfants l'année passée. Et depuis que tu les as coachés là, maintenant, ils sont amoureux de la lecture. Donc, ils ont changé. Et bien, parfois, on voit la rémunération trop activement. Tu vas même sous-estimer que les gens auraient pu te payer. Genre, premier mois de coaching, payez-moi 400. Si vous ne payez pas 400 euros, non, 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 c'est pas nécessaire.
tu es la première de nos 50 euros. Là, tu as 4 mois, 5 mois d'expérience. Tu as suivi les gens. Tu as commencé à voir leurs petits problèmes. Okay. Parfois, ils te donnent rendez-vous. Okay, à savoir, okay, désormais, il faut que j'arrange comme ça. Désormais, il faut que je fasse. Désormais. Et tu vois aussi en ligne, tu te documentes. Et je sais que vous n'êtes pas encore des vous n'aimez pas entendre. C'est le mot qui vous fait mal aux oreilles. Tu pars en ligne, tu cherches un petit programme, tu achètes. Tu t'assois. Si tu n'as pas l'argent pour acheter une vidéo, achète le programme écrit. Tu lis. Il y a un des bouquins. Achète un bouquin. Le bouquin, c'est 10 euros. Tu lis. Le problème de notre génération, c'est que on veut avoir les retours sans investir. Et les lois, la loi de la nature dit ceci. Tu dois faire quelque chose à faire. Voilà. Bon, Sylvie, point. Ça, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Je ne veux pas trop étendre. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Mettez un like sur la vidéo si vous venez d'arriver. Like ma vidéo. Vraiment, moi-même, c'est là souvent. Donc, regarde qui dit un très beau plan, savoir économiser. Je pense que c'est un talent que tout le monde va avoir. C'est nécessaire pour le succès. Donc, regardez la motivation. Cuisine, trouver des idées, économiser. Waouh! Eureka, tu fais déjà quoi? Tu as dit déjà que tu as lancé. Parce que ça c'est bon. C'est ce que tu as dit déjà. C'est déjà. Au début, on dit, ouais, c'est un peu, mais chez toi, c'est déjà précis. Donc, tu es en train de faire des choses avec. Tu es en train de faire des choses avec. Il y a Annabelle qui dit, j'aime réaliser des petits défis équilibrés. Voilà. Lance la page de la nouvelle. Voilà, les gens ont besoin de ça. Vous voulez comprendre votre talent, c'est quelque chose qui va aider les gens. Moi, c'est ce qui m'anime en fait. Quand je lance un programme, c'est que je prends peut-être la sagesse financière que j'enseigne tout récemment. Là. Ça, c'est moi le talent, le potentiel. Quand j'ai découvert le potentiel, je n'avais jamais entendu parler du potentiel. Je me suis dit que tous les Camerounais doivent apprendre ça. Je passe avec les vidéos là-dessus. Donc, tu as sûrement découvert les petits déjeuners qui brillent. C'est ça qui. Donc, partage-les avec les gens. Conseiller sur les compléments alimentaires. On a besoin de cette éducation là. Chez les Africains, on néglige beaucoup ça. La cosmétique, l'entretien des cheveux. Tu passes du temps à nettoyer. Ça veut dire que tu as quelqu'un de très rangé, de très ordonné, systématique. Ça, c'est très, très, très bon dans le business. À la longue, tu peux aussi mentorer les gens. Quelqu'un comme toi, tu aimes souvent, tu as sûrement cette envie parfois de prendre des gens sous ton aile. Ça, c'est un talent que tu as en train de vivre chez moi. Je me suis rendu compte tout récemment. Fait que j'entends deux trois choses sur les gens pour un je suis allé à un séminaire, il y a un monsieur qui a fait ça c'était en 2016. J'ai un séminaire comme ça là, le monsieur dit qui que ce soit dans la salle, lève toi si je t'observe, je te regarde seulement dans la tête au pied, je vais parler de ta vie. Il dit mince, comment je fais ça? Une personne lève, il parle, l'autre personne se lève, il parle. Mais après, les personnes disaient que c'est vrai. Et là, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui se développe dans la personne avec le temps. Il y a des choses qui ne peuvent se manifester en vous que quand vous pratiquez. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes, même si je n'ai pas de clients aujourd'hui, je vais sortir, je vais coacher quelqu'un. Voilà. J'arrive, tu viens me vendre le maïs, je te coach. Tu me vends le champignon, je te coach. Tu viens, tu me donnes le cache-nez, je te coach. Tu viens, tu me dis, je te coach. Ça, c'est le degré de l'amour que j'ai pour ce que je fais. Donc, je ne peux pas voir mon ordinateur. L'ordinateur descend un peu, je lis les commentaires. Bonsoir, Max Foster. Donc, Dorcas Tchakoute, tu es bilingue. Dorcas, ton petit défaut, c'est que tu n'aimes pas trop écrire. Pourquoi? Ça veut dire que tu dois. Ce qui doit bloquer ton talent pour que ça ne s'exprime, c'est que tu es évasif dans tes choses. Tu n'aimes pas prendre le temps pour t'asseoir et dire comment je peux utiliser cette petite chose. Donc, je suis sûr que ce que tu as, tu peux déjà l'utiliser pour enseigner à d'autres personnes et te faire de l'argent. Mais tu es foiré. Je ne me moque pas de toi, d'autres. Je te dis peut-être ce que je sens. C'est comme si tu ne peux pas fouiller le sac pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, tu te retrouves en train de. Tu dois aussi aimer beaucoup les bons discours. Des gens, tu aimes que les gens te parlent alors que tu as à toi à de toi. Tu es quelqu'un que tu peux facilement acheter quelque chose de quelqu'un d'autre. Alors que tu as tout, c'était toi. Bon, c'est dit.
À force de conseiller les autres, c'est aussi une motivation pour moi-même. Oui, de ne pas lâcher. Ça, c'est très, 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 très vrai. Ouais. Maintenant les gens comme Steve Jobs. Il y a des gens qui vivent pour ceci. Et quand vous ne commencez pas ça, vous allez tout sentir tout à l'intérieur de vous. Écoutez bien, hein, si je donne le défaut de quelqu'un à l'énergie, plus vite vous connaissez les aspects sur lesquels vous devez travailler, mieux ça va. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup fouché dans la vie parce que je pouvais passer du temps à tourner autour de ce que je sais que je dois toucher. Tourne autour. Donc je sais que j'ai besoin de travailler là-dessus. Mais comme personne ne me dit, j'évite les gens qui peuvent me dire. Et comme je ne fais pas face à la chose, comme je ne dois pas, tu n'es pas. Non, c'est là. Tant que tu ne vas pas sur ça, c'est en étape. Tu ne valides pas le premier niveau, tu pars pas au niveau 2. C'est ça les lois de la nature. J'ai maintenant compris qu'il y a des lois. Et si on se plie à ces lois, on avance. Donc, j'ai commencé la vidéo, ça disait c'est quoi? Comment découvrir ce qui est en moi? Donc, j'ai pris des analogies, j'essaie de voir là où je veux arrêter. Donc, ce qui est en moi, il y avait des situations. Donc, le papier sur lequel vous avez écrit vos talents. Ce qui n'a pas pu écrire ici, vous avez mis sur le papier, vous avez déjà mis vos talents. Notez maintenant ce que les gens donnent comme compliment, très souvent. Qu'est-ce qu'on vous dit, genre, waouh! À une époque, je me suis fait de l'argent en faisant des croquettes, des beignets, des appels, en fait. Parce qu'on appréciait beaucoup ça. Et je crois qu'en l'espace de 3 jours, j'ai eu toutes les personnes qui m'ont dit, elle fait une soirée. Et je sais que les blancs ont mis mes beignets. Ce sont les beignets à faire, est-ce que les blancs ont ça? Et là, j'arrive à l'église, je fais les beignets, même les blancs, mais disons que les blancs me disent que c'est bien, c'est bien. Et voilà. Et non, c'est bien, ça m'avait aidé pendant une bonne heure. Donc ça, ça peut aussi être un indice. Quels sont les choses que les gens vous disent? Parfois, moi, je te dis, waouh, tu devrais faire le coach. Tu devrais faire le coach. Vraiment. Soit on te dit, tu devrais le restaurant. Quelqu'un dit, je mange pour une messe. Moi, j'aime tout venir. Je vais, parce que tu peux passer bon. Là. La personne dit ça, tu dis, c'est moi mon. Non, peut-être que c'est pas seulement parce qu'il a vendu. Peut-être que Dieu est en train de te pointer dans cela à travers la paix. Peut-être aussi tu es arrivé dans un pays, tu n'avais pas de papier, et la vie t'a amené à faire certaines choses que tu n'aurais jamais pensé dans ta vie que tu peux faire. Et ça, c'est là que tu as découvert en fait que, hey, mais je peux quand même. Je ne savais pas qu'elle peut faire ça. Mais voilà, voilà un talent. Vous voyez, quand on dit que notre potentiel est illimité, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est juste que les bonnes circonstances ne sont pas encore pointées. Voilà le confinement. Les gens qui avaient les ongles, les longs ongles là, vous n'avez plus. Les gens qui avaient les... Vous étiez accro au McDo ou bien vous étiez accro à partir de Champs-Élysées, je ne sais pas trop quoi. Vous ne pouvez plus. Qu'est-ce qui se passe? Les conditions t'ont poussé. Et là, maintenant, tu découvres que je peux être casanier. Avant, je disais que je ne peux pas rester à la maison, mais là, ça fait... Moi, je suis à la maison. Vous avez découvert un talent, là. Donc, en fait, je voudrais que vous puissiez comprendre que ça va vous demander d'avoir les yeux ouverts. Et de voir la ligne entre les lignes. In between the lines. Là. Donc, une fois que vous avez noté ce qu'on dit souvent, compris, vous pouvez mettre ça en commentaire ici, et puis je vais vous dire. Donc, une fois que vous avez fait cette étape-là, premièrement, d'abord, j'ai mis mes talents. Deuxièmement, j'ai mis ce que les gens disent de moi. Troisièmement, mettez vos obstacles. Qu'est-ce que vous pensez qui vous empêche? Genre, on dit que je cuisine bien, mais là, le pays, si pour ouvrir le restaurant, ah, il faut avoir les papiers, il faut avoir la licence, il faut ceci. Quels sont vos obstacles? Voilà, pour faire la page Facebook, ah, il faut savoir parler. Moi, je ne connais pas comment parler devant la caméra. Qui peut la caméra? Hey. Quels sont vos obstacles? Notez-les. Maintenant, donnez-moi en commentaire vos obstacles. Dites-moi quels sont vos obstacles dans les commentaires.
Demain, elle doit me lever à 6h30 parce qu'elle doit être à la radio à 8h. Écrivez vite, s'il vous plaît. Voilà, les papiers. Tu l'amènes au casque et dis que tu n'aimais pas travailler en profondeur. Je vais te raconter une petite partie de mon histoire. Je suis arrivée en Angleterre, j'ai payé mes papiers après un an. Et ça m'a pris 6 ans pour me régulariser. Pendant ces 6 ans, je ne pouvais pas travailler également. J'avais encore fui quand j'avais 15 ans comme ça. Moi-même, m'avait forcé d'aller apprendre. J'avais appris le tourniquet de la grève là. Donc vraiment, j'ai déjà appris. Et quand j'avais les papiers, l'année où j'avais les papiers, j'avais fait le nettoyage. Le nettoyage, j'ai pas besoin de formation, ça. Donc quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai commencé à regarder à gauche, à droite. Pendant la première année, j'ai chargé mon conteneur avec le père, avec mon ex. Dans le conteneur, en chargeant le conteneur, que je me suis rendu compte que, parce que je devais aller en ligne tout le temps, je devais suivre les choses sur eBay, aller acheter. C'est là que j'ai appris aussi l'anglais. C'est la période là que j'ai appris l'anglais. Parce que je suis arrivée en Angleterre, je parlais que le français, je n'étais qu'avec des Camerounais. Un an et demi plus tard, quand le père de ma fille, on s'est séparé, il est parti. Je suis restée, j'ai fui la communauté camerounaise, je me suis mise avec les Nigériens. Et il fallait que je parle pour le business, je devais sortir, je devais, pour le business, il fallait que je sorte pour parler aux gens. J'ai développé l'anglais parce que je fuyais l'anglais, j'avais toujours fui l'anglais. J'ai développé l'anglais, c'est comme ça que je parle. L'anglais que vous voyez, je parle, j'ai pas appris ça à l'université, j'ai jamais été dans une université anglophone. Pourtant, je parle mieux anglais que des gens qui ont le. Je connais une femme qui a le master, je connais des gens qui ont le doctorat, qui sont là-bas depuis même 10 ans. Mais je parle anglais mieux qu'eux. Et juste aujourd'hui, j'ai des gens que je coach, je fais du coaching en anglais, je coach des gens pour l'anglais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée donc. Je dis, ah tiens, je suis dans une maison. C'était une maison de 5 chambres. J'entends ce salon aussi, donc c'est surtout une maison de 6 chambres. Donc quand il est parti, j'ai commencé à louer les chambres. Et je me suis retrouvée dans l'espace de 6 mois, j'ai commencé à développer des capacités de property manager. Le property manager, c'est quelqu'un qui gère la maison. C'est-à-dire qu'il fallait s'assurer que la maison est tout propre. Quand une chambre se libère, il fallait s'assurer à quelqu'un de rentrer là et que je mette la bonne personne. Il fallait faire des bons check-in. Donc il fallait avoir le sens pour pouvoir identifier, pour lire la personnalité de la personne. Il fallait apprendre à faire des publicités pour mettre en ligne. Il fallait apprendre à parler à ces gens quand ils arrivent. Il fallait pouvoir payer les factures à temps. Vous voyez un peu tout ce dans quoi je me suis retrouvée sans papier, s'il vous plaît. J'ai fait ça donc. Ce qui fait qu'en 2013, j'ai même travaillé comme. Avec ce background-là, j'ai fait ça pendant 3 ou 4 Avec cette expérience-là, je suis allée poser mon CV quelque part pour travailler pour ce monsieur-là. Il avait une agence de real estate, une agence immobilière. C'est dans la période où tu penses que voilà ma barrière. Une barrière est toujours l'opportunité d'avoir eu deux portes à côté. Maintenant, c'est à toi de regarder et de dire, mais je peux partir par cette porte-là. Je peux quand même essayer ça. Et souvent, c'est des choses qui ne sont pas conventionnelles. Donc, vous ne devez pas être bloqué d'un côté. Là. Moi, je ne ferai pas l'autre aussi. Non. Je faisais les beignets. Je vous dis comment j'ai vu la recette des beignets là. Ce n'était pas les beignets qu'on faisait au Cameroun. Quand on vivait dans notre maison, le père de ma fille, avant qu'il ne parte, on a un anglophone aménagé derrière chez nous. Un jour, il rentre à la maison, là, il dit, je vais faire les beignets, je vais faire les beignets. Ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas. Il dit, on commence la prépare, il fait 30 minutes, il vient les beignets. On dit, c'est bon, sinon, tu ne peux pas faire les beignets en 30 minutes. Non, 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 non. J'ai dit, hey, c'était pas. J'ai dit, non, 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 c'est impossible. Je suis allée le voir, j'ai dit, tu me dis comment je fais tes beignets là. Il avait deux astuces. Il avait la farine qui a la Il mettait du sel et il mettait à dos. Il m'a expliqué. Il ne m'a pas montré. Il m'a expliqué. Il a décrit. Et moi, je capte très vite les choses. Il a décrit comme ça. J'ai fait ma part. Ça a donné.
Ça, c'est, il m'a donné cette recette-là en 2010. En 2013, 2014, j'ai fait cette recette-là pour vendre dans les magasins pour me faire de l'argent. Donc, je veux que vous compreniez que c'est quelque chose que vous n'avez pas. Et depuis que j'ai ces beignets-là, je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui fait les beignets de cette façon-là. En faisant les beignets de cette façon, c'est un peu comme c'est le gâteau. Ce n'est pas le beignet soufflé, parce que le beignet soufflé est lourd. Ce n'est pas le gâteau, ce n'est pas le beignet soufflé, ce n'est pas le beignet non plus. Parce que le beignet, il tire. L'autre là, c'est moelleux. Oh, il y a même une église à laquelle je partais en 2018. Quand ils faisaient les beignets là, donc, quand les enfants mangent, les blancs mangent, ils attendent seulement. Parce que ce n'est pas lourd. Donc, tu peux prendre même 5, tu manges, même 10, tu manges. Donc, voilà comment je me suis retrouvée. Je veux que dans cette histoire que je te raconte, que tu puisses comprendre. Et tout ça, je n'avais pas les papiers. Donc, je vais lire les commentaires après. Donc, Dorcas, je ne sais pas si tu es encore jeune, je ne sais pas là tu as. Assois-toi, tu te perfectionnes un des trucs que tu as dit là. Parce que quand on est jeune, souvent, surtout quand on a les amis, les connaissances et tout ça, parfois on se retrouve en train de. Les relations, peut-être. Tu as un copain qui est à toi, peut-être. Tu vas peut-être retrouver. Et quand on n'a pas les papiers, qui m'a mangé les années, ce que je cherchais à entrer dans des relations. Ce qui fait que ça me mettait à distance. Est-ce qu'il a les papiers? S'il a les papiers. Hey, comment tu vas? Tu vois un peu. Tu as le temps de travailler sur toi. Oh, ton talent peut te permettre de prospérer n'importe où. Bon, j'espère que ça va t'aider, Dorcas. Eureka, tu dis, tu manques de focus. Tu te disperses dans plusieurs activités. Oh là là. Du coup, tu as du mal à aller au bout des choses. Rika, les gens qui sont appelés à toucher un très grand nombre de personnes ont souvent ce problème parce que le Seigneur a mis tellement de choses en toi. Moi-même, j'ai eu ce souci. À un moment, il faut juste que tu persistes parce que ce que Dieu va faire, c'est que, ça c'est mon expérience perso, c'est pour ça que je peux tellement bien parler de ça. Quand j'ai commencé avant, je me disais, ok, vous allez voir que je fais l'église, je fais l'équipe Gigi Academy, je fais les enfants. Et j'ai sûrement quelque chose de physique ici qui me donne de l'argent aussi. Donc du coup, vous voyez un peu. Au sommet, les gens qui sont au sommet sont plus occupés que n'importe qui. J'ai compris que je devais m'élever pour remplir toutes les cases. Je ne dois pas diminuer les cases pour remplir une case. J'espère que ça va t'aider. Je vais répéter. C'est une scène. Je sais que j'ai souvent entendu des collègues qui m'ont dit, ouais, une seule idée de fin dans l'idée, franchement, mais je vais avec ce que le Saint-Esprit. Il me dit prêche. Je dis, ben, je lèche le côté. Je pense maintenant, il me dit que je t'ai appelé à coacher les enfants. Je dis, ok, Seigneur, j'ai hâte, je fais comment? Il dit, mets le milieu. Plus tu vas t'élever, plus il y aura de responsabilités. Donc maintenant, je pense que parfois, c'est ça qui va faire un problème dans ta personnalité. Tu vas te dire, parfois, surtout quand on écoute beaucoup de coach, beaucoup d'enseignements, parfois tu vas dire, oui, je. Après, je mange, je dois diminuer. Après, oui, je peux. Après, je mange, je dois diminuer. Si ceci peut t'aider pour que tu continues au moins, tu peux. Tu peux. Mais moi, ma logique, c'est que je fais le mieux que je peux pendant que je suis en train de grandir. Si je vois que je peux gérer 4-5 pages du mieux que je peux, je fais mon mieux. Si la semaine, si c'est l'équipe qui donne très fort et très bien, je fais d'abord. Après, donc je fais, j'essaie de manier. Là, les plats. Parce que nous, en tant qu'être humain, nous sommes beaucoup de facettes. Je ne peux pas me concentrer juste sur une facette de ma vie. Ou même les gens que je coach, je ne peux pas le travailler sur un point de leur vie. Parce que tu dois respirer, tu dois manger, tes intestins marchent, tu dois aller au travail, tu dois aller. On a plein de choses faites. Donc, si ça devait, super. Donc, il y a Féfé qui dit, moi, je.
Moi, j'aime tout ce qui a lien avec la beauté et le bien-être, mais je n'y travaille pas. Manque de fonds et de peur de ne pas voir mon investissement marcher et perdre. Féfé, tu dois premièrement, économise un peu. Économise vachement. Un peu là, c'est pas bon. Tout le monde prend des risques. Ok? Quand tu travailles, tu prends les risques. Quand tu sors, donc c'est inévitable. Et si tu ne te lances pas, tu ne sors pas. L'économie que tu vas mettre de côté, pendant que tu économises, tu vas mieux l'idée de faire dans la beauté. J'ai 500 ce mois. Oui, avec ça, je peux acheter ça, je peux faire. Waouh. Le mois prochain, 3 mois plus tard, j'ai 1 000 euros. Waouh, avec les 1 000 euros, c'est là, oui. Quand je vais, waouh, je vais. Dans 6 mois, 3 000 euros, oui. Waouh. Avec les 3 000 euros, ça, je vais. Tu es en train de nourrir quelque chose qui fait, tu vas commencer à regarder plus de vidéos. Tu vas même peut-être offrir des services gratuits aux gens. Ça va commencer à mûrir. Ça va germer. Ça va mûrir dans toi. Parce que généralement, vous voulez commencer. Vous êtes toujours pas attiré le. Je veux que tu ne sois pas parfait. Tu peux commencer à beauté, finalement, c'est même pas dans la que tu vas finir. Tu peux commencer dans la beauté et tu te retrouves terminer dans. Je sais pas quoi. La déco. Dans la beauté, pendant que tu as appris à économiser, tu as appris à faire ton business plan, tu as appris à lancer ton activité, tu as appris à faire du marketing. Donc on apprend. Moi, c'est le principe que j'ai parce que chacun dans le principe de la croissance. Donc si tu as 32. Encore jeune et jolie. Tu peux oublier ta beauté, Dorcas, construis ton avenir, s'il te plaît. Et ça demande de la discipline. Il y a certains dragueurs que tu vas un peu mettre de côté. Donc, Eureka dit, comme j'ai pas mal d'idées, ça me distrait énormément. Dès que je reçois une nouvelle idée, j'ai envie de me lancer. Le PB, c'est que j'en ai énormément. Commence avec les idées que tu as déjà mis en place maintenant. Et va dans, essaie de parfaire. Essaie de parfaire ses idées. Max Foster, faut pas écouter ceux qui ne font rien pour se lancer comme toi. Ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui sont assises là, ils ne font rien. Et ils vont toujours vouloir te. Je dis, mais parfois, c'est de notre faute. Hein. Parfois, c'est aussi de notre faute. Parce qu'on passe le temps à. Et vous n'avez pas à le faire en fait. Moi j'ai une règle très 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 tôt dans ma vie. Si tu ne payes pas mon loyer, tu ne me nourris pas, tu ne nourris pas mon enfant. Shut up. Désolé, c'est insolent pour certaines personnes de ma famille, mais bon. Parce que très tôt, mon père a fait un peu comme la maman aigle là. Elle te pousse du nid. Tu tombes, tu dis, mais c'est quoi ça, c'est le mec qui est méchante. J'ai détesté mon père. Ça m'a énervé, j'étais fâchée avec lui. Pourquoi, comment est-ce qu'un père peut faire ça à ton enfant? Mais maintenant, j'ai compris que c'est le meilleur cadeau qu'il m'ait fait. Absolument. Peut-être que lui-même, il ne savait pas, il se débarrassait juste. Bon, il m'a fait un cadeau, en fait. Donc, c'est ça. Ok. Donc, vous avez déjà écrit vos obstacles. Vous avez identifié certains de vos obstacles-là. Bon, ceux qui n'ont pas pu parler... Enfin, je n'ai pas pu parler aussi. Écrivez vos obstacles sur votre papier. Je sais qu'il y en a qui sont. Vous avez trop peur. Vous n'osez même pas commenter mes vidéos, en fait. Vous savez, je ne peux pas vous manger à travers la caméra. Je ne peux pas vous manger à travers la caméra. C'est impossible. Donc, brisez cette barrière. Bonsoir, Patrick. J'ai vu ton message. Faire un direct par message, ce serait pas possible, quoi. Donc, une fois que vous avez fait ces 3 étapes, je voudrais que vous puissiez noter aussi ce que vous avez déjà fait dans le passé. Quelle est l'expérience que vous avez?
Peut-être que tu as travaillé dans un salon de coiffure pendant 6 mois, ou bien tu as... Quelle est l'expérience que vous avez déjà eue? Si vous venez d'arriver, vous allez regarder côté dehors. Les étapes pour identifier le potentiel. Donc, parce que le potentiel est caché dans la vie. Quelles sont les choses que vous avez déjà faites? Ceux qui viennent d'arriver, laissez-moi un pouce comme ça sur la vidéo. Faites un like sur ma vidéo. Voilà, Dorcas, si tu viens d'arriver, c'est pas bon. Parce que on va vouloir te... Il y a un chantage qu'on fait aux gens qui n'ont pas les papiers en Europe. Ils vont te faire croire que comme ils sont là-bas depuis longtemps et que toi tu viens d'arriver, ils connaissent plus que toi. En fait, en Angleterre, je voulais carrément ouvrir un syndicat pour conseiller qui viennent d'arriver en Europe. Parce que j'en avais marre des gens qui ont déjà volé leur bourse et qui ne veulent rien faire. Qui bloquent les nouveaux venus en détruisant les, en fait, les règles. Donc tu vas devoir sortir, sors, tu cherches, utilise le net pour faire tes recherches. Et tu as besoin de choses, va donner de... C'est pas tout du même bon, et vis Camerounais. Calcule les gens que tu vois, ils ont un succès où tu es. Approche-toi d'eux, ils ne vont pas te manger. Approche-toi d'eux. Demande-leur. À l'époque, en Angleterre, j'ai côtoyé des Nigériens. Je me suis rendu compte que la communauté nigériane, c'est une communauté qui est très... ils mettent beaucoup l'accent sur... Ils économisent beaucoup, ils payent les études de leurs enfants. Ils mettent vraiment l'accent sur les études. Quelque chose que les... Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Ce que je vois beaucoup, c'était quoi? D'un côté, tu as presque 60% des Nigériens qui sont clandestins. Et d'ici à ce qu'ils aient les papiers et qu'ils commencent à fréquenter, ils ont déjà peut-être 30 ans, 35 ans, 45 ans, ils ne veulent plus aller à l'école. D'un autre côté, tu as les Nigériens qui payent l'école de leurs enfants. Ils subissent, c'est dur, mais ils payent l'école de l'enfant. Tu rencontres quelqu'un comme ça là. Oui, je suis en études de pharmacie. Oui, je suis en train de faire business management. Oui, moi, je finis, mais je fais la dernière année de médecine. J'ai l'impression, c'est combien? On te dit 18 000 par an, tu fais, hein? Mes parents n'avaient même pas 2000 euros pour me donner pour que je paye mes papiers avec. Tu verras, hein? Ça fait 7 ans que ton père, ça. Oui. Hein? Parce que quand je me suis rapprochée d'eux, j'ai compris que ce sont des gens que... Ils mettent beaucoup l'accent sur le travail. Tu vas voir un Nigérian quelque part. J'avais côtoyé cette Nigérian. Il a fait... Il était là-bas depuis 10 ans. Donc maintenant, ça fait au moins 15 ans qu'il est là-bas en Angleterre. Il était diligent dans son travail. Le genre de travail qu'un Camerounais va venir vous faire, il va se dire, il était coiffeur. Vous voulez qu'il y ait un salon de coiffure. Je coiffe ici, on va avoir 500 pounds le mois. Après, je vais le temps, il va dire la fille manière quelque part pour faire des fausses cartes. Donc, mets la diligence dans ce qu'il va faire la Dorcas. Sûrement, tu vas, si tu ne sais pas coiffer, va sur YouTube, tu apprends à coiffer. Parce que ça, c'est la chose que si tu apprends à coiffer, ou même tu vas dans un salon, tu vois une tata là-bas, tu lui dis, apprends-moi à coiffer, travaille pour toi pendant 2 mois gratuit, bien, je sais pas. Parfois, on s'entend même sur les pourcentages. Tu apprends à coiffer et elle prend 70% de mon travail. Parce que tu ne l'as pas payé pour qu'elle te coiffe. Et ça te permet, parce que la coiffure, c'est quelque chose que si tu as une fille et tu es rapide à capter les choses, la coiffure te permet immédiatement de toucher un peu d'argent en attendant que tu développe ton système, tu économises un peu d'argent. Je connais une fille qui a fait 8 ans une autre a fait 5 ans en Angleterre. Elle payait tous ses frais d'école, elle était étudiante, elle fait coiffer. Une autre sans papier aux États-Unis, elle a 7 ans sans papier. 7 ans sans papier, c'est l'année où elle a eu ses pieds. Elle payait souvent les 5 000 dollars de facture de l'avocat, 8 000 dollars de l'avocat. Maintenant qu'elle a eu ses papiers, elle a ouvert son salon de fût. Donc, il faut que tu, si tu peux contrôler ton corps, tu sois, ne poursuis pas les gens qui ont une grosse voiture. Ils ont derrière les papiers là.
tu entends ça. Donc, si ma vie était parfaite et que j'arrivais en doblat, que j'avais une tata qui a le bon patron pour me guider, je dirais que tata, prends-moi, tu me dis d'aller faire ça, ça et ça. Voilà. J'espère que ça va t'aider. Donc, alors, Gold, comment tu vas? C'est que si tu vois une femme qui a fait 10 ans en Europe, elle a son appartement, elle a une voiture, elle a un mode de vie, bien sûr, elle a tracé des choses. Toi aussi, dans ces 10 ans-là, tu peux, mais c'est important que tu comprennes qu'elle a les passages à des étapes. Souvent, les jeunes filles arrivent là-bas parce que les hommes, dès que tu as les hommes qui ont les grosses voitures, tu commences à te draguer, tu veux sauter l'étape. Et parfois, ça te rattrape très rapidement. J'en ai été. Donc, je disais, les Nigérians, c'est des gens qui mettent beaucoup l'accent sur l'éducation. Ils vont travailler, économiser, vivre comme des pauvres. Parce qu'ils sont de payer les écoles de leurs enfants, l'école de comptabilité. Et maintenant, on a des cours en ligne. Je ne sais pas les diplômes qu'il y avait eu au pays avant de partir. Ce que tu peux aussi faire, Dorcas, quand tu as des cours en ligne, donc dans le pays où tu es, si tu es en France, il y a des écoles en ligne en France. Donc, quand tu finis le diplôme, parce qu'on ne demande pas si le papier ou le séjour. On t'enregistre dans le bureau, t'envoie par la poste, tu reçois, tu étudies. Quand tu payes, c'est moins cher que le bureau si tu payes en présentiel. Tu peux peut-être faire ça. Tu prends une, si tu avais fait la licence ici au pays, si tu n'avais pas fait, tu vas là-bas, tu fais une petite licence, je ne sais pas. Dans la journée, tu peux aller, tu peux aller au salon coiffé. Ça, c'est ce que les femmes ont fait, elles ont réussi. Je connais des femmes qui ont fait ça, elles ont eu leur master, elles ont eu leur diplôme de pharmacienne. Tu reposes beaucoup de concentration pour ne pas te distraire. Et quand on ne questionne pas avec les papiers, je te le dirai encore. Parce que quand les gens arrivent en Europe, la première chose à leur dire, c'est que comme tu n'as les papiers, tu es une Européenne. Tu as besoin de papiers avant d'avoir de la valeur. Oh, c'est archi faux. Tu as une licence bilingue. Waouh. Waouh. Justement, le marketing de réseau, justement. Licence bilingue. Commence d'abord par travailler. Cherche quelque chose qui va donner l'argent maintenant d'abord. Pourquoi tu auras un peu de budget pour lancer dans le marketing de réseau? C'est que le marketing de réseau aussi, c'est beaucoup de persévérance. Parce qu'il y a des personnes qui sont lancées là-dedans. Vous avez vendu le premier, deuxième, troisième, on n'a pas vendu, vous avez laissé tomber. En fait, dans quoi tu vas finalement lancer ton potentiel. Tu auras besoin de persévérance, tu auras besoin d'apprentissage constant, tu auras besoin de sortir, d'attaquer encore, de te renouveler, de grandir. Ça sont des compétences que vous devez développer. Donc, ce que je vous ai dit, ça vous permet de vous en sortir dans n'importe quel pays. Et l'âge aussi n'a pas d'importance parce que même si tu es en Arabie Saoudite, il y a Internet là-bas. Et quand tu as accès à Internet, ça te permet déjà de communiquer avec le monde, d'apprendre n'importe quoi. L'aile d'oreille de demain, ce sont les gens qui sont prêts à apprendre aujourd'hui. Ouais, pardon, il est minuit là, ils sont dans leur chambre à apprendre. Ce sont les gens qui vont impacter le monde demain. Donc, il est important que vous puissiez saisir cela. Si tu es dans un pays qui parle la langue que tu parles déjà, le marketing de réseau sera parfait pour toi. Mais si c'est que tu arrives, supposons que tu arrives en Allemagne et tu parles français et anglais, il va falloir que tu apprennes la langue du pays où tu es. C'est nécessaire. Apprenez la langue du pays où vous vous trouvez. Apprenez correctement. Parce que quand tu manipules une langue, ça te donne l'assurance. Ça augmente ta confiance en toi. Ça t'ouvre les portes. J'ai des boulots que j'ai fait en Angleterre, juste parce que j'exprimais bien en Angleterre. En anglais, pardon. J'avais même pas le diplôme de le truc. Hein. J'avais pas le diplôme de ça. Mais j'arrive, mon frère, et moi, les entretiens, je te sens chez les entretiens comme ça là. Oui.
Parce que je savais parler, j'étais éloquente. Apprenez la langue du pays où vous êtes. Ils te demandent quand même la carte vitale dans le marketing de réseau. Ah bon, vous n'avez pas ça. Je ne sais pas si c'est tous les marketing de réseau, mais à la Corse et en France, ça va. Des services Dorcas. Je vais pas vous mentir. Quand j'écoute Dorcas, je peux déjà te lire Dorcas, je te dis. C'est pour ça que tous les conseils qu'on donne là, tu as besoin d'abord, il y a quelque chose en toi qui fait que tout ce qu'on dit là, c'est pour ça que je ne veux pas que tu commences dans beaucoup. Fais d'abord petit ici. Ça va briser. Il y a un truc que je sens sur toi quand tu parles. Et ça fait que tu ne. Tu devrais tenter de faire certaines petites choses. Tu ne voudras pas mettre le travail qu'il faut. Parfois, c'est très très rarement que je donne pas, je donne pas trop mes conseils à n'importe qui parce que c'est encore ce que je disais dans la Bible. Ne lancez pas vos perles. Parce que parfois, tu te mets, quand tu dis quelque chose, tu te mets là, tu parles, tu parles, tu parles. Ça fait ça. Et beaucoup fait ça. Beaucoup. Bon. Vous pouvez communiquer entre vous, Annabelle et l'autre. Je pense que j'ai fini mon sujet. Celui qui a demandé cette vidéo aussi là, j'espère qu'il pourra regarder plus tard. À l'étape où vous étiez, à ce niveau, si je vous ai demandé d'écrire, déjà en numéro 1, vous écrivez vos talents. Numéro 2, est-ce que vous qui êtes là, vous avez fait ça? Donc là où on est maintenant, on est aux obstacles. On est aux obstacles ou bien on a quoi? Je sais que généralement, les gens qui sont très impatients, quand ils arrivent, ils disent, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Mais si tu évites ce processus parce que tu cherches plutôt la fin, tu es en train de te leurrer, en fait. Parce que c'est un processus. Découvrir son potentiel, c'est tout un processus. C'est un processus. C'est pour ça que je disais à Dorcas tout à l'heure, commence à voir par les petites choses. Les petites choses. Il est 1 heure. Il faut qu'on aille dormir. Parce qu'on se réveille demain à 6 h. Bonne soirée à vous. Et sortez de ce direct et faites-en quelque chose. Parce que une fois que vous c'est tout. Faites-en quelque chose. Parce que très souvent, les Camerounais aiment ça. On va parler, 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 parler. Vous avez fait des commentaires. Dès qu'on va sortir, on n'a rien fait. Où est ton papier? Tu as fait. Ah, je vais faire ça dans ma tête. Et en fait, vous ne trompez personne. Vous vous trompez vous-même. Bon, that was it. Bonne nuit à vous. Et à demain. Bon, à tout à l'heure, puisqu'on est déjà demain.